Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour le groupe A et B. Et donc ce sera un exercice d'arithmétique dont l'énoncé est le suivant. Il s'agit d'étudier l'équation différentielle x cube plus 3y cube plus 9x cube égale 9xyz et de chercher les solutions entières, donc c'est-à-dire quand x, y et z sont tous les trois des entiers. Donc il y a une solution qu'on appelle la solution triviale. C'est celle où x, y et z sont tous les trois égaux à 0. Donc on voit clairement que c'est une solution de l'équation. Mais le but de l'exercice, c'est de montrer qu'il n'existe pas d'autre solution entière que cette solution triviale. Donc je vous conseille de chercher une petite quinzaine de minutes, et sinon je vais vous donner une piste. Donc l'exercice, ça va être une application de ce qu'on appelle la descente infinie, c'est-à-dire qu'on va partir d'une solution non nulle et qu'on va essayer d'en construire une plus petite. Et ce que vous dit le principe de la descente infinie, c'est que vous ne pouvez pas avoir une suite infinie strictement décroissante d'entiers. Et donc du coup, on obtiendra une contradiction. Voilà. Donc je vais présenter ma solution. Et donc on commence par se donner une solution x, y, z entière et non nulle. Et l'idée, ça va être de construire une solution, mais strictement plus petite, pour appliquer le principe de descente infinie. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de multiples de 3 qui apparaissent, et ça peut être une bonne idée de regarder modulo 3. Les modulo 3, tout disparaît sauf x cube. Et donc, ça nous donne que x cube est un multiple de 3. Mais si x cube est un multiple de 3, alors x aussi. Et ça, c'est très pratique, parce que ça nous permet d'écrire x sous la forme 3x' avec x' entier. On peut remplacer x par 3x' dans la relation et on peut diviser par 3. Donc ça nous donne en fait la même équation de départ, mais en fait avec y qui a pris le rôle de x, z qui a pris le rôle de y et x' qui a pris le rôle de z. En d'autres termes, ce qu'on a montré, c'est que y, z, x' est solution. Donc là, on vient de voir que si vous avez x, y, z une solution, vous pouvez construire une nouvelle solution et pour ça, il suffit de remplacer x par y, remplacer y par z, diviser x par 3 et mettre ce nombre en dernier. Donc en fait, on voit qu'on va pouvoir faire la même chose avec y et z', enfin y et z. Donc on va prendre y' et z', qui sont égaux respectivement à y sur 3 et z sur 3. Et donc on va réappliquer. Donc de y, z, x', on obtient la solution z, x', y', et de cette dernière, on obtient finalement x', y', z'. Donc si vous avez une solution entière, vous pouvez en fait diviser par 3 chacun des termes, ça vous donne toujours une solution, et c'est toujours une solution entière. Et ça c'est problématique parce que si vous êtes un entier non nul, vous ne pouvez pas être divisé comme ça constamment par 3 indéfiniment, vous allez forcément devenir non entier au bout d'un moment. Et donc c'est ça qu'on appelle le principe de descente infinie, c'est-à-dire si jamais il y a une solution non triviale, on peut en construire une infinité de plus en plus petite, mais vu que tout est entier, on ne peut pas avoir une suite infinie strictement décroissante. Et donc du coup, c'est une contradiction. Donc, x, y, z, notre solution de départ était forcément triviale. Merci.